Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Un match choc entre Arsenal, entre Manchester City et Arsenal. Il y a à boire et à manger dans cette chose. Il y a à boire et à manger dans cette rencontre. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner, de liker et de partager la chaîne parce que c'est important. Grâce à toi, on est en train de grandir. On est à 2000 abonnés, les gars. L'objectif, c'est d'aller, n'est-ce pas, vers les 10K. C'est ça l'objectif. En tout cas, regardez mes vidéos, faites des suggestions et des remarques. On va s'améliorer avec vous. Ça, c'est le plus important. Donc, en gros, on va y aller avec le débrief du jour. Manchester City qui accueillait, n'est-ce pas, qui recevait, n'est-ce pas, Arsenal. L'Arsenal de Mikel Arteta. Le classement, c'est vraiment mano à mano, hein. Le classement, il est très, 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 très serré parce que il y a un enjeu, c'est le Graal, c'est la Barclays English Premier League, le trophée, la couronne. Ça, c'est ce qu'on espère tous, à ce que l'une de ces deux équipes puisse remporter. Et ça, c'est l'objectif final des deux équipes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils nous ont produit, n'est-ce pas, une très pâle copie. Aujourd'hui, j'avais l'impression de voir qu'il y avait sur le terrain qu'une seule équipe qui se produisait. Oui, parce que je suis désolé. Manchester City qui commence par, tu vois, c'est important de le souligner, tu peux pas rivaliser avec Manchester City côté possession parce que oui, avec son schéma tactique de 4-2-3-1, c'est un système qui te comprime, c'est un système, n'est-ce pas, qui contrôle, n'est-ce pas, le cœur du milieu. Donc en gros, avec un entraîneur comme Pep Guardiola, c'est complètement compliqué, pour ne pas dire difficile, de confisquer la balle à l'équipe de Manchester City. Donc, en gros, quand Man City se produisait à l'Etihad Stadium, déjà, la stat fait que depuis le début de la saison, Manchester City a du mal à battre, n'est-ce pas, un concurrent ou encore une équipe de gros calibre. En l'occurrence, les Blues de Chelsea. Oui, parce que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. En alignant, n'est-ce pas, une défense expérimentale avec Akanji, Vardiol, Brahim Diaz, Nathan Aké. Ce dernier, il sort sur blessure. Donc, en gros, tout chamboule. Mais à partir du moment où Man City a gardé son noyau, composé de Bernardo Silva, Phil Foden, Stones, John Kovacic, ainsi que Kevin De Bruyne, et en électron, on laisse qui? En pointe, on laisse qui? On a Erling Braut-Haaland. Donc, moi, j'ai senti que l'équipe de Manchester City a beaucoup plus misé sur la possession. Possession qui est, n'est-ce pas, son arme fatale, qui est, n'est-ce pas, sa force pour, n'est-ce pas, comprimer l'adversaire. Mais aujourd'hui, avec la tactique mise en place par Mikel Arteta, j'ai senti que Man City était limité parce qu'il n'y avait pas d'espace. De prime abord, j'ai vu comment est-ce que Arsenal défendait à 4. À chaque fois qu'il y avait, n'est-ce pas, un joueur de City qui avait le ballon, on avait, n'est-ce pas, un quatuor de joueurs qui sortaient pour faire, n'est-ce pas, du surnombre afin de bien défendre. Donc, on mettait un pressing, n'est-ce pas, hors pair sur le porteur du ballon. Donc, en gros, on ne laissait pas à ce que le métronome qui est Bernardo Silva d'organiser le jeu. Il s'est senti muselé, il s'est senti, n'est-ce pas, prise au piège par par Declan Rice, Jorginho, parce que ces deux-là, ils contrôlaient, n'est-ce pas? Ils donnaient le tempo, n'est-ce pas, de la défense. Ils donnaient le tempo de la rencontre. C'est là que moi j'ai vu que la tactique, n'est-ce pas, défensive de Mikel Arteta face à Manchester City, c'est une masterclass. Parce que oui, cette équipe de Manchester City, on la joue de cette façon-là. On la joue de cette façon-là. On permet à ce que le porteur du ballon, ou encore l'organisateur, entre autres Kevin De Bruyne, ou encore Bernardo Silva, ne puisse pas respirer. Parce que oui, il faut déjà anticiper le contrôle de Bernardo Silva. Parce qu'à partir du moment où il a déjà fait sa lecture du jeu, et il a déjà réfléchi, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas, de le contrer. D'où l'importance d'anticiper son mouvement avant que le pire n'arrive. Oui, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ça a usé Jorginho. Il s'est fait remplacer par Thomas Partey.
C'est en tout cas une copie tellement efficace parce que ça a permis à l'équipe d'Arsenal de garder son équilibre. Oui, de garder son équilibre, n'est-ce pas, dans le jeu. Mais il faut aussi qu'on se dise, Manchester City ne s'est pas procuré des vrais. C'est vrai, il y a eu des occasions, mais des occasions franches. Pour moi, je dis qu'il n'y en a pas eu. Tellement que la ligne défensive, on avait l'impression, moi pour moi, j'ai vu un Arsenal qui t'a parqué deux buts. La ligne défensive, n'est-ce pas, qui est composée, n'est-ce pas, avec son métronome, Gabriel Magalhães et William Saliba, Cuillor et, n'est-ce pas, le latéral gauche d'Arsenal, j'ai oublié le nom, ça doit pas être Cuillor, ça doit être Cuillor, mais. Le trident du milieu là, ah non mais Declan Rice, Jorginho, Odegaard, ah non, sérieux, ces gens-là ils sont trop intelligents, ils sont trop intelligents. Oui, parce que oui, avec Arteta, j'ai senti que c'était une masterclass défensive, mais de là, je dois d'abord dire quelque chose. Arteta, il m'a déçu sur cette rencontre. Tu sais très bien que Manchester City a du mal à battre, n'est-ce pas, les concurrents directs, les équipes de gros calibre, mais tu te permets de parquer le bus à l'Etihad Stadium. Oui, déjà, l'idée était bonne parce que statistiquement parlant, Arsenal n'y arrive plus à l'Etihad Stadium, mais il fallait quand même risquer parce que derrière, tu sais très bien qu'il y a une défense expérimentale, mais joue le jeu, joue le jeu. J'ai pas aimé, n'est-ce pas, l'exploitation, n'est-ce pas, de la balle de Léon Trossard. Lui, le d'autres ça, tu dois faire mieux sur la passe de Odegaard, tu dois faire mieux, tu dois faire mieux. Bukayo Saka qui commence son match, n'est-ce pas, de façon timide, mais il prend, n'est-ce pas, la température du match pour faire basculer, n'est-ce pas, le jeu à sa guise, le jeu, n'est-ce pas, à son profit. Mais à chaque fois qu'il était en train d'essayer de mettre ses coéquipiers, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions, mais il y avait qui dans la surface? Il y avait qui dans la surface? Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. C'est là que moi je me dis, statistiquement parlant, en tout cas, cette rencontre nous a donné, n'est-ce pas, des bonnes choses. Mais malheureusement, j'ai senti que la tactique d'Arsenal était limitée. Comment tu veux remporter, n'est-ce pas, la Barclays English Premier League avec ce genre, n'est-ce pas, de statistiques? Mais moi, ça fait mal. Regardez les stats, les gars. Regardez vous-même les stats. On a 72%, 72% de possession. 28 côté Arsenal. 12 shoots, 12 tirs pour Manchester City. Et 6 pour toute la rencontre, pour une équipe qui espère remporter la Barclays English Premier League. Sérieux, Arsenal, tu dois faire mieux. Tu dois prendre, n'est-ce pas, les responsabilités afin de mettre mal à l'aise cette équipe de Manchester City. But attendu côté Manchester City. En se basant sur la possession, 0,93. Mais but attendu, n'est-ce pas, côté Arsenal, 0,68. Sur ce coup-là, qu'est-ce qu'on doit retenir? On retient quoi? Pour moi, je me dis, il n'y a pas eu match. Il y a eu une équipe qui a pressé haut et une équipe qui voulait prendre en compte l'équipe de Manchester City. La tactique, en tout cas, pour moi, je remets en doute, en cause, n'est-ce pas, la lecture, n'est-ce pas, du match de Mikel Arteta. Sûrement, il pouvait faire mieux, prendre, n'est-ce pas, de l'ascendant sur cette rencontre. Psychologiquement parlant déjà, l'équipe de Manchester City, elle est, n'est-ce pas, prenable, prenable. Oui, elle est prenable parce que elle n'y arrive plus. Ça n'augure rien de bon pour cette rencontre. Déjà, on est mano à mano. Le classement, c'est que on est dorénavant à 67 pour Liverpool, 65 pour Arsenal, 64 pour Manchester City. Il n'y a que 3 points qui séparent la troisième et le top du tableau. Il y a vraiment de quoi nourrir de regrets pour cette rencontre parce que on s'attendait à ce que le challenge soit beaucoup plus élevé. On s'attendait à ce que nous puissions vivre, n'est-ce pas, le beau spectacle du dimanche. Question que nous nous réveillons demain, vaquer à nos occupations, aller au boulot, chercher, n'est-ce pas, notre gagne-pain avec le sourire aux lèvres pour dire on a vraiment passé un bon week-end, un bon dimanche, n'est-ce pas, autour du pop-corn avec un match alléchant, Manchester City Arsenal, mais de là, pour moi, j'ai été déçu, n'est-ce pas, de la prestation
d'Arsenal qui a parqué le bus, qui a voulu, n'est-ce pas, limiter les dégâts. C'est là que moi je me dis, Arteta, c'est un petit coach. Sérieusement, il y avait de quoi prouver. Regarde la manière avec laquelle Arteta qui joue le match aller face à Manchester City. Au match retour, il met une tactique de merde. Je ne sais pas s'il voulait se gérer, mais en tout cas, moi, il avait les armes pour tuer cette équipe de Manchester City. Mais il n'a pas su bien les utiliser. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, ça va devenir maintenant, n'est-ce pas, rude, parce que Arsenal n'a que le derby. Il y a Chelsea qui se profile à l'horizon. Vous savez très bien la réputation qu'on a. La réputation qu'on a, c'est que on est là pour briser les rêves de titres de nos adversaires de Londres. Il y a Tottenham qui s'aime pas avec Arsenal. Donc Arsenal doit vraiment serrer les ceintures pour, n'est-ce pas, aller chercher le Graal. Le football mérite d'être vécu. Ciao!